Rouennet TV. C'est parti, nous sommes à Las Vegas. Bienvenue dans ce CES 2016. Jérôme, salut. Salut François, nous sommes au cœur du plus grand salon high-tech du monde. Et nous regardez, on y est là. On y est, on est au cœur du salon. Et on se retrouvera chaque jour à la même heure, 20h, heure de Paris, pour tout vous dire sur toutes les annonces de cette édition 2016. Avec les grands constructeurs, bien sûr, qui sont là, les Sony, les Samsung, les LG, etc. Vous découvrirez toutes leurs nouveautés. Mais on s'intéressera aussi à la France. La France qui est hyper présente pour ce CES 2016. Hein. Voilà, c'est unique sur le web, c'est sur 01net TV et nulle part ailleurs. Et c'est parti. Allez, on y va. Eh bien voilà, ça y est, on y est. Regardez le beau plateau qu'on a cette année, Jérôme. Où sommes-nous, François? Nous sommes sur le stand de La Poste. Voilà. La Poste qui est le partenaire de 01net TV pour cet événement, pour ce CES 2016. On tenait d'ailleurs à les remercier chaleureusement. La Poste qui est là pour présenter beaucoup de nouveautés. La mutation de La Poste est en route, on en parlera tout à l'heure. Ah oui, parce que c'est un petit peu étonnant de trouver La Poste ici au CES, donc on aura besoin d'explications. Comment va se passer ce 01 Live spécial CES? Il va durer une heure, tenez-vous bien. Alors, première partie, on va débriefer l'actualité avec nos spécialistes de 01net, Jean-Sébastien Zanqui qui est déjà là et David Noguera qui arrive. Voilà, David Noguera qui est encore au Starbucks, mais je pense qu'il va arriver dans quelques instants. Non, il sera là, bien sûr. On a pas mal de nouveautés à débriefer avec eux. Et puis après, durant ces 4 jours, parce qu'en fait, on fait notre premier live ce soir, mais il y en aura encore 3 autres. On est là jusqu'à samedi soir, Jérôme. Ouais, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, la chambre, tu l'as réservée, il n'y a pas de souci. Hein, bon. Tu vas pas dormir dans un casino. On ne mettra pas dehors. Voilà. Et donc chaque jour, il y aura une partie actu avec tous les personnages de 01net que vous connaissez. Et puis une autre. Les personnages, on se croirait à Disneyland, c'est formidable. Les journalistes d'RMC, de 01net, pardon. Pourquoi RMC? Peut-être aussi, on verra. Et puis la deuxième partie, donc, avec les startups françaises qui sont présentes. Et puis on a détecté avec Jérôme quelques nouveautés assez sympas parce que la France est vraiment là en puissance. À noter d'ailleurs demain qu'on aura un invité exceptionnel puisque ce sera Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui sera avec nous. Exactement, donc vous allez voir du sérieux, du un peu plus léger. Comme d'habitude, vous pouvez interagir, c'est la magie du direct. Envoyez-nous vos commentaires, réactions, questions. Alors de préférence, et même s'il vous plaît, uniquement sur Twitter, parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout. C'est ça. Hashtag 01 live, hashtag 01 live. Oui, parce que si vous nous regardez sur YouTube, vous êtes tenté de nous laisser des petits commentaires, mais hashtag 01 live sur Twitter, ça sera plus simple pour nous de lire vos messages, vos questions. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on va parler de La Poste, donc on va parler aussi d'une grande boîte aussi qui est en pleine transformation digitale, c'est Engie. Et puis on évoquera aussi le bâtiment connecté avec Legrand tout à l'heure. Voilà. Voilà. Eh bien, je crois qu'on peut commencer donc pour à débriefer un petit peu ces premières annonces, parce qu'il faut vous dire, donc le CES ouvre officiellement aujourd'hui, le salon, mais depuis 2 jours, il y a déjà des festivités. Hein. Et hier, c'était la grande journée des conférences de presse. Salut Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour à tous. Salut Jean-Sébastien. Bonjour. Alors oui, ça y est, hein, les grands constructeurs ont dégainé leurs conférences de presse. Oui. On a eu du LG, du Panasonic, du Sony, du Samsung, du Huawei aussi, qui a annoncé pas mal de nouveautés, on va en parler. Aussi. On débute par quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué, Jean-Sébastien? Pourquoi pas Huawei? Allez, Huawei. C'est vrai que c'était assez impressionnant de voir un petit peu... Le géant chinois. Voilà, Huawei, comment on parle de plus en plus. Immense. Il y a eu en intro de la conf beaucoup de données sur justement comment Huawei devient de plus en plus connu des gens, les parts de marché, etc. Enfin, vraiment, il y a une croissance extraordinaire depuis 3 ans. Il y a eu un satisfait site là, global, hein, de la part de Huawei. Ils sont contents, visiblement. Ils sont très contents. Ils ont commencé à nous sortir des slides avec « Oui, alors on est 70e marque la plus connue dans le monde, etc. » Enfin voilà, on voit qu'ils sont à fond. Non, vraiment, il faut dire qu'ils ont des bons produits depuis quelques temps. Et notamment en termes de smartphones. Voilà, notamment en termes de smartphones. Et là, hier, ils présentaient vraiment officiellement et physiquement, on va dire, le Mate 8, qui est son nouveau smartphone 6 pouces. Donc, c'est entre les mains. Que j'ai entre les mains. Voilà. Voilà, j'ai testé, j'ai commencé à tester depuis hier. Grâce aux images de Jean-David et de Florian. C'est un très beau téléphone, comme vous pouvez voir sur les images, avec capteur d'empreinte digitale au dos, comme déjà sur les anciens modèles. Il est annoncé comme 100% plus rapide, et alors c'est vrai qu'à l'usage, vraiment, on se rend compte que... 100% c'est, plus rapide, c'est-à-dire le double. Voilà, le double, c'est-à-dire que là, dès qu'on pose un demi-doigt, c'est comme un doigt. Enfin, bon. Ça y est, ils font comme Apple maintenant. Il écrit avant que tu penses. Voilà, mais non, vraiment, pour le coup, ça déverrouille tout de suite, à peine on pose le doigt dessus. C'est le même look que le Mate S, qui était déjà vraiment un bijou. C'est un peu le même look, tout à fait.
avec toujours ce dos en alu qui est très joli. Avec, on peut remarquer, l'écran 6 pouces vraiment occupe toute la taille, toute la surface de la face avant. Donc c'est une belle intégration. Et il y a aussi ce processeur Kirin 950 qui est le processeur développé par Huawei. Donc c'est un processeur maison comme fait un peu Samsung, ouais, et Apple. Et alors j'ai testé hier justement avec les outils de bench qu'on utilise habituellement. Effectivement, il y a des scores assez impressionnants sur Ubuntu. Il fait 85 000 par exemple en score Ubuntu. Pour les connaisseurs, c'est vraiment quelque chose d'assez performant. Ouais. Donc a priori, c'est une belle réussite, et avec quelques petites on va dire gadgets, ouais, nouveautés logicielles. Ouais, hein. Aussi, où il suffit de double tapoter l'écran avec sa phalange pour qu'il y ait par exemple une capture d'écran. Ouais. Voilà, ah oui. C'est des choses. On va en faire sans s'en rendre compte. Ouais, le capteur d'empreinte digitale par exemple aussi derrière permet de déclencher les selfies. C'est-à-dire que quand on a le téléphone à bout de bras comme ça, ouais, il suffit de poser son doigt sur le capteur d'empreinte digitale et du coup la photo se déclenche. Donc c'est assez pratique, il n'y a pas besoin de se tordre pour pouvoir le déclencher directement voilà, avec son doigt sur la face avant. Alors donc, juste sur Twitter, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais alors bon, il y a Tanguy qui nous dit qu'est-ce que vous êtes beau, ça on s'en fiche. Ouais, ça c'est sympa, merci beaucoup. On a Clément qui nous demande si la qualité de l'appareil photo est bonne. Alors justement, la qualité de l'appareil photo, ils ont eu un gros moment là-dessus pendant la conférence. Ils ont annoncé avoir investi 98 millions de dollars depuis 3 ans sur le processeur d'image, et c'est un capteur Sony de 16 mégapixels. Et effectivement, les premiers essais qu'on a fait, on a notamment comparé avec un Galaxy S6 Edge qui est déjà excellent, ouais. Et franchement, ça tient la route. Alors il faudra avoir vraiment labo. C'est un capteur Sony, hein, c'est un capteur Sony tout à fait. Ouais. Meilleur encore que le Mate S. Que le Mate S, vraiment pour le coup, ça a l'air vraiment prometteur par rapport à ce qu'il faisait avant. Alors Huawei a mis l'accent aussi sur l'autonomie qui serait excellent de ce téléphone. On pourrait tenir jusqu'à 3 jours. Alors c'est ça, deux jours 30 je crois, enfin voilà, deux jours et demi. Ouais, c'est ça, 2 jours et demi. D'accord. C'était ce qui était annoncé. Et alors effectivement, ça a été dur de tester parce qu'on l'a hier, mais il y a une batterie de 4000 mAh. Donc c'est une des plus grosses batteries qui existent. C'est rare d'avoir des batteries aussi grosses, hein, téléphones aussi. Il y a qu'une marque qu'on connaissait pour l'instant, c'est ZUK, qui est une des sous-marques de Lenovo, qui avait un modèle avec 4000 mAh et qui était vraiment performant. Donc on espère que ça va être prometteur aussi sur ce modèle-là. Ouais. Et alors il y a un truc qui est génial, juste Jérôme. Oui. Tu peux recharger, avoir une journée d'autonomie en 30 minutes de recharge. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça c'est super. Voilà. Pas mal. Oui, juste une parenthèse. On a quelques petits tweets qui nous disent que peut-être des petits problèmes de son, c'est la magie du direct. Alors, un petit conseil, si vous ne nous entendez pas bien sur une plateforme, par exemple YouTube, allez nous voir sur www.zeronettv.com. Et puisqu'on passe sur différents flux, c'est probablement meilleur. Voilà, alors en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ça va mieux maintenant. Ouais. Florian Beaufoton fait en sorte pour que tout fonctionne. On est en direct, les amis, hein, et on est à 9000 km de chez vous, à peu près. Donc voilà. Le Huawei, alors ça, c'était le Mate 8, la phablette de Huawei. Il y a eu d'autres annonces chez Huawei. Oui, il y a eu d'autres annonces, notamment la montre qu'ils ont sortie, la Huawei Watch, qui existe depuis quelques mois déjà, qui est déclinée alors en version féminine. Version féminine. Très bling bling. Vois une montre avec des diamants tout autour, Jérôme? Nouvelle Huawei Watch. C'est faux diamants, je te rassure. Ouais. C'est des cristaux de Swarovski. Pour le féminin, il faut du rose ou des diamants, c'est ça l'idée. Quoi. Voilà, c'est un peu toujours réducteur. Hein, mais ouais, très. C'est toujours ce qui est présenté souvent par les constructeurs high-tech encore. Mais donc c'est un espèce de modèle, faut oser, hein, parce que vraiment les diamants, enfin les brillants Swarovski autour, etc., c'est très brillant. Faut voir ce que ça donne. En vrai, on n'a pas pu l'avoir vraiment directement en main, mais je suis pas sûr que ce soit très, très apprécié. Il y a deux modèles. Il y a un modèle qui est un peu plus discret, on va dire. Ouais. On va pas dire que c'est le luxe à la française, l'élégance. Huawei Watch, tablette aussi. Hein, tablette aussi, tout à fait. Il y a une tablette qui propose... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 haut-parleurs dedans, comme l'iPad Pro. Donc, ils promettent vraiment un son assez impressionnant avec ce modèle-là. Tablette Android, classique, on va avec dire. Avec un stylet, si on veut. Avec un stylet également, si on veut dessiner dessus, prendre des notes ou d'autres choses. Voilà, et puis le partenariat avec Google se poursuit, hein, voilà, concernant ça aussi. Huawei. Ça aussi. Et ils ont annoncé une version Gold, en fait, du Nexus 6P qu'on connaît. Voilà, qui est plutôt joli. Hein, il fait très Las Vegas, hein, je suis d'accord. Hein. Là, on va jouer aux machines à sous avec le Nexus. Ah Jérôme, ça passe, on est très au top. Bien. On est dans le ton. Tout à fait. Bon, t'as pas joué encore aux machines à sous. Non, mais en plus, tu sais bien, il n'y a que toi qui gagne, donc moi je ne joue plus. C'est pas vrai, ne l'écoutez pas, si. il va m'apporter la chkoumoune. Non. Bon, ça c'était pour Huawei. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Pas mal de choses nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Alors il y avait la conférence Samsung, voilà, où c'est toujours un petit peu... Qui Samsung, petite marque. Samsung. Voilà. Il y a eu pas mal aussi de choses présentées chez Samsung, notamment du côté des téléviseurs. Voilà, il y a un gros focus en ce moment là sur le CES, sur l'Ultra HD, avec notamment le label Ultra HD Premium, qui sont des téléviseurs de grande diagonale, avec des systèmes donc 4K, HDR, pour avoir vraiment une grande plage de couleurs, etc. Mais surtout chez Samsung, l'intéressant c'était sa nouvelle interface en fait. Ils ont décliné sur leur téléviseur Tizen, qu'on retrouve déjà sur la Galaxy Gear S2, donc la montre connectée, voilà, cette fois-ci sur un grand écran. Ah, c'est une manière un peu de s'affranchir d'Android TV en fait. D'accord. Ça permet de garder la main sur le contenu par rapport à Android TV et de ne pas laisser les clés de la maison à Google. À Google. Et voilà, ouais. Exactement. Alors justement, la maison, tu as lâché le mot, c'est important parce qu'il y a eu véritablement l'idée de mettre la maison dans la télé. Hein. Tout à fait, il y a effectivement... Ça va durer à faire rentrer parce qu'elles sont très fines maintenant. Je résume. Surtout le frigo. Je résume. Hein, mais effectivement, tous les téléviseurs UHD, Ultra HD de cette année, qui seront vendus cette année par Samsung, seront livrés avec une clé USB. C'est la SmartSync USB Extender, je crois, qui se branche donc sur le port USB du téléviseur et qui permet de connecter tous les objets connectés compatibles SmartSync. Il y a environ 200 références en ce moment sur le marché. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir, en fait, de faire de son téléviseur le hub domestique de tous les objets connectés de sa maison. D'accord. Ouais. Voilà, c'est une bonne idée, ça, d'après vous. Pourquoi pas, c'est l'écran principal du c'est l'écran principal de la maison. Mais pour moi le hub c'est ça. Hein. Ouais. Effectivement, mais ça peut être aussi. Si tu dois allumer la télé pour allumer tes lumières, vous réglez ton chauffage. Ouais, mais tu peux imaginer qu'aujourd'hui avec le PIP, tu peux vite... que la télé est tout le temps allumée, c'est ça. Non, mais par exemple, tu es sur le canapé, etc. Tu veux baisser les volets, tu n'as pas envie de prendre ton téléphone, etc. Tu peux avoir une, par exemple une petite, un petit écran qui s'affiche sur ta télé. C'est-à-dire tout le monde regarde un film et toi tu leur fous les volets en plein milieu. Non, mais c'est un peu ça, le partage va être difficile. Mais moi je suis un peu sceptique par rapport à ça. Mais ça on a compris, Jérôme, on a compris que tu étais sceptique. Mais tu as bien raison. Quoi d'autre chez Samsung? Chez Samsung, il y avait également une sorte de Surface Pro. Alors c'est un PC hybride tablette sous Windows 10. Ah, pas sous Android. Pas sous Windows 10. D'accord. Avec une diagonale de 12 pouces, même chose que Surface Pro, c'est-à-dire qu'avec un clavier qui se clipse dessus. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est que c'est l'écran de 12 pouces, mais c'est un écran AMOLED. Donc voilà, ça doit dépoter, c'est assez joli. Donc faut voir si ça tourne sous processeur Intel. Alors faut voir un petit peu si ça va être disponible en France, parce que effectivement Samsung depuis quelques mois, la partie Samsung IT n'existe plus en France. Et oui, donc ils ont arrêté de commercialiser des PC en France, Samsung. Voilà, exactement. Donc faut voir si ça va dépendre de la partie mobile ou de la partie IT pour savoir la disponibilité. On n'a pas pu avoir l'info encore pour l'instant. C'est pas encore décidé, mais ça va être intéressant de voir si c'est disponible en France, parce que ça a l'air très joli comme produit et ça va être un gros concurrent, je pense, au Surface Pro, qui est un très bon produit. Et là, en plus, il n'y a pas de ventilateur dans la tablette Galaxy, donc vraiment zéro bruit. Ça peut être intéressant avec une autonomie promise de 10 heures environ sur cette tablette là. Juste une question à propos du smartphone Huawei. Je sais pas si on l'a dit, je crois pas. D'après Twitter, il sort quand? Alors celui-ci va sortir là au mois de février, je crois. Il va être disponible à partir de 600 €, si je me souviens bien. Voilà. D'accord. Donc il y a une petite montée en gamme quand même au niveau des prix chez Huawei, mais le produit est quand même très prometteur et très joli. Puisqu'on parle de smartphone, Samsung n'a rien annoncé concernant le Galaxy S7. Non, c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Mobile World Congress à Barcelone en février. Jean-Sébastien, pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui fuient sur le S7. Effectivement, il y aurait une version Edge comme sur le S6. Ouais. Il aurait une batterie immense aussi, visiblement. Ouais, apparemment la batterie. Il aurait du 3D Touch aussi comme Apple. On a parlé de ça aussi, comme pour avoir justement une nouvelle fonctionnalité comme l'iPhone sur l'écran en fonction de la pression exercée sur l'écran. Voilà, c'est encore des choses inconfirmées, mais ça va arriver là à la fin du mois de février. On aura le dernier mot de... Et oui, le Galaxy S7 sera annoncé, si tout va bien, ou juste avant ou pendant le Mobile World Congress. Ouais. On y sera bien sûr à Barcelone. Tout à fait. Pour Samsung, alors côté télé, parce qu'on attend quand même Samsung aussi du côté des télés, des téléviseurs, on va dire, la qualité d'image. Ils innovent, il y a des choses nouvelles ou pas dans ce domaine? Il y a vraiment ce gros focus, voilà, exactement. Alors ça, c'est vrai chez tous les constructeurs. Hier, c'était marrant parce que LG, Samsung et Sony ont été chacun le premier à présenter le téléviseur certifié Ultra HD Premium, qui est la nouvelle certification, comme on avait le Full HD avant, le 4K. Ultra HD Premium. Ultra HD Premium. Avec le fameux HDR, hein, c'est ça, non? Voilà, avec ce fameux HDR qui permet
permet d'avoir d'améliorer les couleurs, etc. Et notamment chez LG par exemple, eux misent beaucoup sur le OLED. Ils avaient un écran vraiment magnifique hier, complètement OLED. On va en parler après d'LG. Ouais, tout à fait. Mais donc du coup chez Samsung c'est aussi ça, mais ça reste quand même encore du LCD. C'est pas du OLED, ils ne maîtrisent pas encore le OLED sur des diagonales aussi grandes. Donc ils essayent voilà, de trouver d'autres moyens pour arriver à justement avoir cette certification Ultra HD Premium. Mais ça reste encore du LCD, comme chez Sony aussi. Voilà, c'est deux marques qui maîtrisent très bien ça. À noter pour tout vous dire qu'on va voir dans quelques heures Samsung. On va vous faire un petit reportage avec les nouveautés Samsung aussi. Hein. Bien sûr. Même si, bon, encore une petite parenthèse un peu ronchon, moi j'ai l'impression quand même, les annonces de produits classiques... C'est le décalage horaire qui te rend ronchon. Non, pas du tout. Mais les smartphones, les télés, il n'y a vraiment pas de révolution, quoi. Non, c'est clair. Non, mais t'as raison. La continuité, mais c'est calme plat. Oui, oui, c'est à chaque fois la tendance de toujours plus, on va dire. Hein, ouais. Écran plus grand, écran plus beau. Toujours plus fin. Il y a ce téléviseur de LG hyper fin aussi. Hein. Oui, de signature. Alors, on va parler d'LG maintenant, qui a fait sa conf hier. Alors c'est intéressant parce que bon, LG capitalise sur l'OLED, etc. et sort une nouvelle marque premium. C'est ça. C'est ça, hein ? Ouais, tout à fait. C'est une nouvelle gamme même. Ouais. Ça s'appelle LG Signature. Alors là, c'est vraiment du super haut de gamme. Et c'est pas seulement du téléviseur, c'est-à-dire c'est aussi du lave-linge. C'est aussi... Un frigo également. Mm-hmm. Avec, D'ailleurs, on le voit à l'image, là, le frigo, il a un écran monstrueux. Non, ça c'est un téléviseur, François. Alors juste avant, regarde là. Regarde l'écran. Non, oui. Ça c'était Samsung qui avait un écran dessus. Le LG, c'est pas un écran, c'est une vitre. On peut voir à travers, mais c'est pas beau. Voilà. De voir ce qu'on a dans son frigo sans ouvrir la porte et sans avoir de déperdition d'énergie. Ah, économie d'énergie. Voilà, tout à fait. Et d'accord. En fait, il suffit de mettre, comme sur le Huawei, de mettre deux petits coups avec son doigt sur l'écran. Et il s'allume. Pour que l'écran, sur la vitre, pour que la vitre ne soit plus teintée, soit transparente et qu'on puisse voir l'intérieur. Ah ouais, voilà. Donc, c'est un petit truc, un petit gadget rigolo. On a Miloiseau 2201 sur Twitter qui nous dit, de toute façon, le HDR sur de l'OLED, ça sert à rien. Parce que la qualité est tellement bonne sur l'OLED que les noirs sont tellement profonds que ne se justifie pas. Tout à fait. Très bien. Donc LG, la gamme signature. Il y a eu d'autres choses annoncées chez LG ou pas? Chez LG, non, c'était. Il y avait aussi un partenariat avec notamment Google. Alors dans l'auto, ça c'est le grand truc, tous les constructeurs parlent de l'auto. Ouais, bah on va en parler dans un instant avec David. Et en même aussi. Temps, LG, c'était très flou. On ne sait pas vraiment ce qu'ils présentent à part dire qu'on a un partenariat avec Google. Bon, c'était, je pense que David pourra mieux nous en parler, mais c'était... LG, côté télé, il y a, puis dans le côté un peu waouh, il y a ce téléviseur tout à fait. Immense en 8K. Hein. Ouais, alors c'est avec des diagonales de 77 pouces. 2,50 m de diagonale. Voilà, une finesse de l'écran OLED qui est de 2,57 mm. Donc si vous voyez, c'est deux cartes bancaires, l'une mise l'une sur l'autre. Incroyable. Quoi. C'est magnifique. Et toute l'électronique. Tiens comme ça le téléviseur. Voilà. Et il n'y a pas d'électronique collée derrière l'écran, elle est dans le socle. Donc vraiment l'écran est une feuille minuscule. Et 8K, ça doit dépoter quand même. 8K, ça doit bien dépoter. Voilà. Bon, il faut les contenus qui vont avec. Il y a déjà David. Pas de contenu en salut David Nogueira, salut David. Comment ça va? J'ai réussi à rejoindre le stand. C'est immense. T'as vu? Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est un peu grand, oui. Vous vous rendez pas compte ici, bon, parce que bon, voilà, vous voyez pas tout, mais il y a un monde, c'est incroyable. Et alors, on suit des flux de gens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez aller vite dans des allées, vous pouvez pas, vous êtes obligé d'attendre, etc. À moins de pousser. C'est incroyable. Et puis en plus, incroyable. Maintenant, c'est réparti sur plusieurs sites dans Las Vegas. Hein, c'est le plus grand salon high-tech du monde, il faut le rappeler quand même. Il y a, je crois, plus de 100 000 personnes qui viennent. Enfin, c'est des chiffres qui sont ahurissants, quoi. Hein. David. Juste pour le téléviseur, si vous voulez l'acheter, là, le super téléviseur de LG dont on parlait. Le 8K là? Ouais, le 8K. Il y a le prix ou pas? Ouais, il y a le prix. Vous savez? Non. Combien? Minimum 100 000 dollars. Oh, ça va. Il y a plein de casinos raisonnable. Ici pour essayer de tirer la main. Exactement. Bon, d'abord, il faut gagner. Voilà, et après, on s'achète la télé. Ouais. On a fait le tour. Jean-Sébastien, il n'y a rien d'autre? Non. Jean-Sébastien Zanqui, qui est évidemment durant tout ce CES. Avec nous sur 01net et 01net TV et on se retrouve demain. On se retrouve Jean-Sébastien, demain. Voilà. Salut Jean-Sébastien. David Nogueira. Rebonjour. Me voilà. Bon, David. J'ai moi aussi un petit peu rodé dans les t'as allées. Tu as des petits yeux. Tu as des petits yeux. On a tous des petits yeux. Très 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 longues. J'ai bien accusé le jet lag, mais ça pousse. Vous vous rendez compte, il est quand même. Donc il est 20h20 pratiquement chez vous. Et il est ici, il est 11h20. Donc en fait, on est complètement décalé.
Voilà. Donc à 4h du matin, on s'envoie des SMS avec Jérôme, tout va bien, etc. Enfin bref. J'arrive pas à dormir. C'est un peu sport quand même, hein. Ouais, mais c'est peu. Sympa. C'est sympa quand même. Mais c'est très dense et très intéressant. C'est vraiment pas mal. Hashtag 01 live. Je vous rappelle que comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir avec nous sur Twitter. Posez vos questions à Jean-Sébastien concernant Samsung, LG, Huawei et David Noguera qui va commencer par Amazon. Amazon, avec oui, alors c'est effectivement Echo, Amazon, Ford, c'est un partenariat. C'est pas nouveau ça, non ça reste... Alors Echo, c'est pas nouveau, pas en France. C'est l'enceinte d'Amazon qui en fait embarque l'intelligence artificielle Siri like d'Amazon qui s'appelle Alexa. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que Ford a fait une annonce hier pendant sa conférence où en fait ils ont développé une plateforme sur laquelle Amazon peut se greffer et donc on peut demander à Alexa un tas de choses, un tas de scénarios. Alexa, quel est le niveau de restant d'essence dans mon réservoir, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte du garage, est-ce que tu peux me préchauffer l'habitacle de ma voiture. Donc c'est vraiment j'ai vraiment eu l'impression avec cette annonce que avec Amazon et Echo, la voiture, ça devient vraiment l'internet des objets, ça rentre dans cet écosystème parce que Apple nous avait promis des choses avec HomeKit, on demanderait à Siri de piloter sa maison, ouvre-moi les volets, etc. Et puis c'est pas arrivé. Et puis là, cette Ford, elle va pouvoir, parce qu'on peut aussi demander à Alexa d'allumer la lumière, lui, quand on arrive, de lui dire, donc effectivement, ouvre-moi ce garage, et puis peut-être mets-moi à chauffer ma bouilloire. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles. Attends, parce qu'Alexa, elle est dans la maison. Alexa est dans la maison, mais la voiture est connectée. Dans le garage. Mais la voiture est connectée. Elle est connectée. Donc Sync 3, la plateforme, leur système. Donc elle est tout le temps online, tout le temps Wi-Fi. Tout le temps online. Ce qui est assez intéressant, 3G, c'est que Ford, qui a quand même créé cet outil de plateforme de développement open source, a été rejoint par Toyota et ils ont des discussions avec des marques françaises, PSA, Renault, pour venir finalement adopter ce système open source. Et ils auraient déjà 90 applications dans les tiroirs. C'est bien. Donc des applications qui peuvent interagir entre la voiture, la maison, ou la voiture et des applications. Par exemple, je peux conduire ma voiture et puis recevoir une notification sur Glimpse qui me dit « ma fille est sortie plus tôt de l'école, elle est devant, est-ce que vous voulez aller la chercher ?» Voilà, donc il y a vraiment la voiture qui est dans le cloud, elle se balade. Et il y a beaucoup d'interactions possibles. Donc, chérie, je peux pas venir te chercher, la voiture est dans le cloud. Voilà. Donc on ne sait pas trop quand elle viendra, mais bon, c'est sympa. Où t'as mis la voiture? Elle est dans le cloud. Elle est dans le cloud, elle est garée dans le cloud. Je l'ai garée dans le cloud. David, on parlait d'Echo. Il faut savoir qu'il y a une petite boîte française ici qui a passé un accord avec Amazon concernant Echo, c'est Tribi. Alors on en a parlé, Jérôme, de Tribi, ce petit appareil que vous collez sur le frigo avec lequel vous pouvez interagir. Alors vous pouvez écouter la musique, la radio, vous pouvez passer des coups de fil aux membres de votre famille. Et bien bientôt Tribi aux US, parce que ça va être distribué aux US, va être compatible avec Echo d'Amazon. Donc on pourra, par exemple, poser des questions sans avoir le petit appareil donc, d'Amazon. D'accord. Directement à Tribi. Et d'accord. C'est plutôt bien Tribi parce que sera connecté sur c'est une boîte française. Sur la même plateforme, sur Alexa. Du coup. Et c'est une petite start-up française qui a passé un accord avec le géant d'Amazon. C'est cool. Voilà, ça c'est bien. Très très bien. Quoi d'autre? Alors toujours sur une autre annonce assez originale de Ford, c'est le partenariat avec DJI, donc le fabricant de drones, où, parce qu'on le sait, Ford a une division de super 4x4, les Rangers, enfin en l'occurrence là il s'agit d'un F-150. Qui consomme 50 litres au 100. Voilà, donc quand on paye le galon 3 fois rien, ça un va. Truc, mais... Un truc TRICOP 21 quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Parfait. Donc ils ont effectivement ces gros pick-up sur lesquels ils envisagent d'installer à l'arrière, donc les pick-up c'est ces véhicules avec des petites bennes, sur lesquels ils envisagent d'installer une plateforme de décollage pour le drone de DJI. Donc DJI a lancé cette fois-ci un programme de développeurs. Ta voiture devient un porte-drone en fait. Exactement, ça devient un porte-drone. Alors voilà. Pour faire des plans de sa voiture, mais plutôt pour accéder à des zones sinistrées. C'est-à-dire qu'il y a eu une tempête, un tsunami. Finalement, on prend son gros SUV Ford, on se rapproche au plus près, puis on lance le drone. Alors le but, c'est de faire interagir en plus ça avec les systèmes de localisation, carte GPS, et d'envoyer directement des coordonnées au drone pour surveiller la zone. Voilà. Donc c'est pas pour tout le monde, si j'ai bien compris. Pour tout le monde, c'est encore un programme de développement. D'accord. C'est des choses pour les Nations Unies, pour les terrains un peu difficiles d'accès. Donc voilà, c'est un peu. Mais bon, pourquoi pas, c'est un petit mariage entre le drone, la voiture. Voilà. Donc là-dessus. Ça paraît que c'est impressionnant. C'est assez dingue. Quoi d'autre? D'autres choses? Je suis aussi allé ce matin. Alors c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas notre écran de retour, mais j'ai vu le concept car de Volkswagen, Buddy, leur minivan électrique. C'était l'annonce d'hier soir. C'est quand même assez gonflé. Ah ben, on la voit là. Oui. Alors, c'est quand même assez gonflé la part de Volkswagen qui, on le sait, aux États-Unis a vécu quand même des moments un peu pénibles ces derniers mois, voire très compliqués.
Et donc là, Volkswagen, pour essayer de se faire un peu pardonner, entre guillemets, arrive avec un véhicule totalement électrique. Totalement électrique. Comme ça, ils n'ont pas de problème de programmation, pas autonome, de consommation. Dans les tuyaux depuis un petit moment, quoi. Alors, c'est pas autonome. Voilà. Ce qui est assez impressionnant, c'est ça. C'est ce qui est à l'intérieur. Donc, j'ai eu la chance de me glisser au moment où une TV montait sur le podium. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Et donc, il y a cette interface complètement numérique. Et en fait, elle réagit 100% à des commandes gestuelles. Donc, en fait, le conducteur fait des gestes dans l'air, attrape l'affichage qui est devant lui, glisse sur le côté et puis envoie comme ça différentes informations aux passagers, peut intervenir sur la voiture Minority Report. C'est la voiture effectivement Minority Report. Elle répond intégralement aux commandes sensitives. Elle peut, pour ouvrir la portière, il suffit en fait de passer la main devant un capteur, la porte s'ouvre. On a vu tout à l'heure la vue arrière de la voiture, en fait dans la partie basse du véhicule, il y a un espèce, voilà, c'est ce qu'on voit en dessous, sous le body, ouais. C'est un compartiment, ce qu'ils appellent une Dropbox, dans laquelle je peux me faire livrer mes colis Amazon. Oh, oh non. Alors, par drone, drone, bien sûr. Mais le drone atterrit où, là? Non, mais là, autant le drone atterrit sur la forme. Il n'atterrit pas, le coffre s'ouvre. Voilà, ça, c'est bon. On cite Amazon, mais le but du jeu, en fait, c'est d'intervenir, évidemment, avec, pourquoi pas, la poste qui viendrait nous déposer le colis au travail, puisque le but, c'est d'avoir un système d'identification RFID, je pose un smartphone, j'autorise l'accès, et finalement, on vient et on pose le colis dans le coffre de la voiture. On se rend compte, David, que les constructeurs automobiles, depuis quelques années, mettent le carton sur le CES de Las Vegas. Il y en a beaucoup, ouais. Parfois même, c'est même plus impressionnant que sur les salons auto traditionnels. Hein, bah, c'est une vraie démo, surtout pour nous, c'est une vraie démo techno. Ils sont là pour pousser la techno au maximum et montrer qu'ils sont là, qu'il y a des innovations. Bizarrement, il n'y a pas eu trop d'annonces autour de la voiture vraiment autonome pour l'instant. On sait que Hyundai, Mercedes a fait des demandes pour faire des démos ici à Las Vegas. Et puis finalement, j'ai posé la question, il n'y a rien qui circule. Donc bon, c'est un peu flou de ce côté-là. Du côté de Mercedes, il y a une petite conférence ce matin. Oui. J'ai eu l'impression qu'ils sont là pour être là. C'est-à-dire qu'on a des bribes d'informations sur leur future vitrine techno qui sera la classe E, mais encore pas grand chose. Il va falloir patienter pour savoir vraiment vers quoi Mercedes se tourne. Merci David. Petite question pour Jean-Sébastien, parce que tu as assisté quand même à pas mal de conférences. On a Benfuit qui nous demande si on n'a pas encore entendu parler ou vu de lecteur Blu-ray 4K. Est-ce que pendant les annonces que tu as, les conférences de presse auxquelles tu as pu assister, on en a parlé? Oui, c'est Sony. C'est Sony qui Sony a, parlé qui a ça. Fait des annonces. Tout à fait. D'accord. Parce qu'on rappelle que Panasonic. Vous avez déjà évoqué l'an dernier, il me semble, non? Oui, alors, Alifa, on avait. Alifa. Samsung avait présenté un lecteur Blu-ray 4K, mais il était vraiment bon dans un petit coin, etc. On ne savait même pas si c'était un vrai. Et puis rappelle-toi, l'année dernière, il y a un an tout pile, on avait un lecteur Blu-ray 4K Panasonic qui était présenté, mais en fait on s'est rendu compte que c'était un fake. Oui. Et à l'intérieur il y avait un disque dur qui tournait. Donc là, l'arnaque. J'ai l'impression que ça commence un peu à s'accélérer, le Blu-ray 4K. On va en parler bien sûr dans les jours qui viennent, mais donc ça y est. Il y a, Sony... aussi des partenariats avec la Fox et Warner Bros. Pour avoir justement des contenus Blu-ray 4K. Et notamment il y avait pas mal de titres mis en avant comme Hunger Games ou Seul sur Mars, des choses comme ça. Donc ça commence à arriver aussi bien en contenu que donc en lecteur. Du coup, voilà, on va enfin profiter un peu de ces télé Ultra HD sans savoir regarder Netflix par exemple, qui a un des rares à avoir des contenus 4K. Quoi. Voilà. Parfait. Merci beaucoup messieurs. Merci de nous avoir débriefé toute l'actu pour cette première journée. On se retrouve donc demain. On refera le point sur les nouvelles annonces et puis tout ce que vous aurez pu voir aujourd'hui. Et évidemment, 01 Live continue, François. Oui, le 01 Live continue parce qu'après les nouveautés des grands constructeurs, des fabricants d'électronique, on va s'intéresser à la France. La France qui est venue en masse ici. Il y a pratiquement 200 startups qui sont là. On est sur le stand de la Poste et on a plein de choses à vous raconter parce que ça bouge du côté de notre pays, ici à Las Vegas, et on en parle tout de suite. Merci d'être toujours avec nous en direct. Alors vous entendez un petit peu les échos de ce qui se passe pendant le générique, mais on est en direct les amis. Et on est ravis d'être là depuis Las Vegas, depuis ce CES 2016. Alors on vous l'a dit, une première partie dédiée à l'actu, ça sera entre 20h et 20h30.
et une partie aussi à la France, à la présence de la France, la présence des startups, mais aussi des grands groupes, Jérôme, qui sont là. Avec plusieurs invités qui nous ont rejoints ou vont nous rejoindre. Et à ma droite, Stéphane Quéré, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Quéré. Directeur de l'innovation de Engie. C'est ça. Alors Engie, l'énergie, hein. Évidemment, on se demande ce qu'Engie fait au CES de Las Vegas. C'est évident. Vous n'êtes pas venu que pour jouer au casino quand même, non? Un peu, mais un peu. Pas que. Vous savez, le monde de l'énergie est en pleine transformation. On parle beaucoup de la transition énergétique. On est en beaucoup, quelque chose de beaucoup plus fort qu'une simple transition. On va vers une énergie plus décentralisée, où chacun veut non seulement maîtriser sa consommation, mais son mode de production. Donc un mode de production à l'échelle d'une ville, d'une industrie, voire d'un particulier, ouais. Et souvent de plus en plus renouvelable. Donc il vous faut de la techno. Exactement. Donc alors... un des piliers de cette transformation pour nous, c'est l'innovation. Donc, et beaucoup de digital. Donc on a lancé il y a maintenant près de 18 mois une initiative consacrée à l'innovation où nous cherchons au maximum à développer de nouveaux business models, de nouvelles offres qui s'adaptent ou qui vont anticiper cette transformation du monde de l'énergie. Alors comment, qu'est-ce que vous faites? Vous venez à la pêche ici ou alors vous venez avec vos startups que vous avez déjà repérées Les deux. Les deux. En fait... Ce qui se passe, oui, parce c'est qu'il y a des choses très sympas. Je crois qu'il y a des choses étonnantes qui sont en train d'être développées. Voilà. Alors, on va à la pêche. On a pas mal de collaborateurs du groupe qui sont en ce moment dans les allées, en rendez-vous, qui rencontrent des startups. Mais ça viennent... a été le cas d'ailleurs avec Sigfox. Exactement. Sigfox est véritablement la boîte emblématique que vous soutenez en fait. Absolument. Alors, il faut rappeler en deux mots Sigfox, ouais. Donc start-up française. Donc là, on cherche de nouveaux Sigfox ou de nouveaux partenaires. Sigfox est une licorne, hein, rappelons-le. En plus, c'est un succès incroyable. Ouais, c'est une société qui a créé un réseau de communication pour les objets connectés. National, international et sans doute un jour mondial qui va vous permettre en fait aux objets connectés du quotidien qui vont leur permettre de discuter en fait. Voilà. Et d'ailleurs Sigfox est présent sur notre stand. Puisque non seulement nous allons à la recherche de nouvelles startups, mais nous permettons aussi à des startups dans lesquelles soit nous avons investi, comme Sigfox, comme deux startups américaines qui sont également sur notre stand. Alors par exemple, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer qu'on aura peut-être demain à la maison, je ne sais pas où d'ailleurs ou dans alors, les... sur le stand d'Engie, vous avez deux startups avec lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous avons lancé des appels à projets. On lance beaucoup d'appels à projets. Et donc l'année dernière, il y en a une qui sera sur le plateau tout à l'heure, qui fait un certain nombre de choses merveilleuses. C'est Lubian qu'on va les recevoir dans un instant. Voilà, et ils vous expliqueront tout ça. On a également fait un partenariat avec une société qui fait des robots. Alors Engie, les robots, vous me direz, Engie fait beaucoup d'activités de services aux bâtiments. Nous gérons des tours, des bâtiments de bureaux, des musées, des écoles. Et vous voulez mettre des robots dedans? Et on met des robots dedans. Et donc, si vous passez sur notre stand, vous verrez un magnifique robot qui s'appelle Diawan, qui permet, en se promenant à travers les bureaux, de mesurer la qualité de l'air, de le purifier, et puis qui est une espèce de nouveau hub ambulant pour tout un tas d'applications qui permettront en temps réel de savoir ce qui se passe, comment se passe la vie au bureau et les différents paramètres. Bon, il ne va pas surveiller les collaborateurs qui travaillent moins que d'autres, Stéphane, rassurez-moi. Mais bien sûr que non. Non, d'accord, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ne vous inquiétez pas. Stéphane, on va recevoir dans quelques instants justement une start-up que vous soutenez. Il s'agit d'Ubiant. Absolument. Vous allez voir, c'est génial. Ça vous permet de monitorer la consommation électrique en temps réel de votre maison. Stéphane, merci beaucoup. Pratique. Merci beaucoup. Alors, autre grand groupe qui entame sa mutation numérique et qui est ici présent à Las Vegas. On n'attendait pas la Poste à Las Vegas. Et pourtant, ils sont là. Quoique, il me semble les avoir déjà aperçus l'an dernier. Et oui, ils étaient là l'année dernière. Et on va essayer de comprendre pourquoi la Poste est là avec Nathalie Collin qui est notre invitée. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe donc de la Poste, du groupe La Poste. Oui. Alors, ma question, pourquoi la Poste est à Las Vegas? Vous n'allez pas livrer des colis jusqu'ici quand même? Alors d'abord, les facteurs sont là.
Nous avons 6 facteurs. Vous êtes venus avec des facteurs. Nous sommes venus avec des facteurs. Ils sont juste derrière. C'est une promotion de facteurs qui sont parrainés par Emmanuel Macron et qui sont venus faire une démonstration en live sur le réseau Sigfox de notre bouton connecté de la Poste. Mais pour revenir sur la première question, la Poste est une vieille dame. C'est vrai qu'elle a plus de 5 siècles et en même temps, les valeurs de la Poste sont profondément numériques. Quand on vous vend, on s'en rend pas compte. Merci. Je vous en prie. 5 siècles, je serais momifiée déjà. Donc les valeurs de la Poste, elles sont finalement extrêmement numériques puisque c'est la pérennité, l'universalité, la neutralité. Je trouve que c'est ces choses-là qui sont finalement les ingrédients de la confiance, parce que la confiance, c'est comme l'amour, il n'y a que des preuves de confiance, puisque vraiment une confiance autodécrétée. Et puis la proximité. Et nous, on voit une formidable chance dans les objets connectés qui est finalement d'utiliser le numérique pour apporter de la proximité aux gens. Et on trouve que c'est vraiment la troisième révolution du numérique, qui est la révolution des services. Et la Poste a un avantage considérable, c'est qu'elle rentre dans les foyers et qu'elle est en capacité finalement d'apporter de la simplicité et de l'usage au quotidien pour les gens. Alors c'est le cas de l'objet connecté de la Poste. D'ailleurs, je vais demander à ce qu'on m'en apporte un parce que ce serait intéressant qu'on vous le montre. Alors attendez, vous savez quoi, on a fait un truc génial. Ah, vous l'avez fait déjà? On a fait. Non, si on va le faire. Parce que là, c'est presque une avant-première que vous nous proposez. Ah oui, on vous présente le futur objet connecté de la Poste. Une exclue, les amis. Le premier objet connecté de la Poste dans 20 ans, quand tout le monde aura des objets connectés à la Poste, vous vous direz que c'est sur 01net TV que vous l'avez vu en premier. Et on va vous montrer comment ça marche parce qu'on a fait un petit film avant de partir. D'accord. Chez moi. Et j'ai testé donc ce domino qui est donc l'objet connecté de la Poste. Florian, envoie-nous les images. Alors voilà, ça c'est le hall de chez moi. Vous voyez, c'est super, plutôt pas mal. Hein. Voilà. Et donc, regardez ce que j'ai là. J'ai un petit domino qui est sur le côté. Et en fait, j'avais, je voulais envoyer mon doudou ma fille ou à quelqu'un, en fait. J'appuie, je mets mon doudou donc dans la boîte aux lettres. J'appuie sur le petit bouton. Et à partir de ce moment-là, explique-moi ce qui se passe, Nathalie. Alors, à partir de ce moment-là, c'est très simple. Ça signifie au facteur qu'il doit venir chercher un objet. Donc, on n'a plus qu'à valider sur son application le fait que l'adresse à laquelle on veut envoyer l'objet, parce que c'est quand même un tout petit peu le minimum. Évidemment, on a un compte dans lequel on a un moyen de paiement. Et le facteur vient. Alors voilà, là, on voit bien la personne qui est en train de valider à qui elle veut envoyer l'objet. C'est tout ce qu'on fait. Le facteur vient avec une boîte, normalement. Voilà. Ça va arriver. Donc là, je valide en fait et je dis, j'ai ce doudou. Et je veux que le facteur vienne le prendre, etc. Absolument. Et j'ai sélectionné le destinataire, en fait, hein, de ce doudou. Le destinataire, absolument. Et donc là, la factrice vient, elle prend le doudou. C'est rapide, en plus. Enfin, c'est un facteur, visiblement, parce qu'il a des poils sur les bras. C'est avant de le mettre là. Voilà. Elle prend le doudou, elle le met dans un emballage que la Poste a prévu. Elle a déjà prévu, alors c'est un facteur, une factrice, là, c'est un facteur. Qui a déjà prévu de mettre l'étiquette. L'étiquette est posée sur le colis. Et le doudou va être livré à la personne destinataire qui a été désignée. Donc finalement, on est parti. C'est intéressant parce que moi, j'avais commencé à parler avec les gens du colis pour voir comment on peut améliorer l'expérience client. Oui. Et quand on parle des SI logistiques de la Poste pour changer l'expérience client, c'est compliqué parce que c'est extrêmement lourd. Et le doudou revient. Non, en fait, là, on refait la même. Oui, c'est pour ceux qui n'auraient pas vu la première fois. Pour ceux qui ont raté le début, en fait. Voilà. Mais nous, on continue. Et là, on est parti d'un point de vue complètement différent. On a dit, mais il faut le remettre dans l'autre sens. Ah, pardon. On a dit, comment est-ce qu'on peut partir de l'expérience client? C'est-à-dire, la personne, elle met un objet dans sa boîte aux lettres, elle valide sur son bouton et sur son application et le colis part. Et c'est à partir de ça que finalement, en interconnectant le hub numérique de la Poste, les SI de la Poste et puis l'expérience facteur, ils sont là pour le démontrer, on a été capable de sortir cette nouvelle expérience. C'est un nouveau service quand même pour la Poste, parce que l'enlèvement c'est un nouveau à domicile, service. Ça permet de faire rentrer les objets connectés dans les foyers de façon extrêmement simple. La première étape, c'est le colis. La deuxième étape, ce seront les services des facteurs, c'est-à-dire une interaction avec le bouton qui va rentrer dans le domicile des gens, il va être blanc. Et il va permettre une interaction de SAV, une interaction avec une plateforme, par exemple. J'aurai un bouton blanc, j'appuie, un facteur qui vient m'aider à... Alors, j'aurai un bouton blanc, j'appuie, ou ça déclenche... Pour lui, si c'est possible, ou ça déclenche un appel. Moi, je suis assez féministe, donc je ne viendrai pas sur ce terrain-là. Non, mais cela dit, non, c'est normal. Ou ça déclenche... Choisir. Vous préfériez avoir un facteur chez vous qui vienne que... Non, d'accord. Non, moi, mon facteur est un noble et très sympa. Je ne voulais pas vous blesser, attention. Ou ça déclenche un retour d'appel de SAV, ou ça déclenche un retour d'appel de plateforme d'assistance, par exemple, qui permet de voir quel est le problème de la personne. Et dans ce cadre-là, on peut aussi dire, ma grand-mère, par exemple, a des problèmes, j'ai envie qu'elle ait une visite du facteur deux fois, trois fois par semaine. Je vous rappelle que quand on a eu la canicule, on a eu une demande, par exemple, du gouvernement de faire boire les personnes âgées. Le lendemain, les facteurs faisaient boire toutes les personnes âgées en France. Parce que, et là, c'est ça la Poste. Alors, heureusement ou malheureusement, c'est souvent le dernier lien
de certaines personnes oui. âgées. 90 000 facteurs connectés, ils ont tous un Facteo, donc un smartphone. C'est ce qui permet de faire tout cela quand même. Donc vous voulez dire que la Poste est déjà prête à répondre à ces nouvelles demandes, à ces nouveaux métiers. Ça fonctionne. La démonstration qui est derrière, elle est live sur un réseau Sigfox interne au CES. Et notre objectif, et je profite d'avoir Engie en face de moi pour le dire, parce que je suis un peu opportuniste, c'est de donner ce service également pour nos partenaires. C'est-à-dire que nous, on se voit comme un opérateur universel des échanges. C'est-à-dire qu'on est neutre, on est universel, on veut utiliser tous les types de connectivité. Aujourd'hui, Sigfox, demain, l'aura et les autres également, et connecter tous les objets, ce qui permet d'avoir une vraie portabilité pour la personne et ce qui permet de développer ces interactions pour tous les autres prestataires de services, comme Engie par exemple. Nathalie, il y a plein de questions sur Twitter, ouais. #01live pour vous. Attention, elles sont gentilles, il n'y a pas de problème. À quand la boîte aux lettres connectée vraiment? Ça, c'est Lucien qui nous pose cette question. Bah, est-ce qu'on peut imaginer une vraie boîte aux lettres connectée? Je trouve que le bouton, c'est une boîte aux lettres connectée. Mais par exemple, je ne sais pas, moi j'ai un recommandé qui m'arrive, bim, je reçois un petit message sur mon téléphone en me disant, voilà, vous avez un recommandé qui vient d'arriver, vous pouvez aller chercher à votre bureau de poste, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est assez facile parce qu'on le fait déjà sur Colissimo. Donc le fait d'envoyer un message pour dire que vous pouvez aller chercher un, mais c'est pas suffisant comme expérience client. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir éviter aux gens qui veulent se déplacer de se déplacer. Et donc là, on est en train de réfléchir à comment, mais on n'est pas prêt là-dessus. Mais comment on pourrait éventuellement scanner des courriers pour les gens, etc. Mais là-dessus, ce n'est pas des offres qui sont encore prêtes. On est sur le bouton. Il y a une autre question concernant l'enlèvement des colis, question de ligne pratique. C'est payant? Combien ça coûte? Alors, aujourd'hui, le fait de faire prendre son colis à domicile ou de faire un retour depuis sa boîte aux lettres chez soi n'est pas plus cher que l'affranchissement normal. Donc ça, on le sait puisqu'on l'a déjà développé. C'est le même prix que si j'allais au bureau de poste. C'est le même prix. Ce qu'on n'a pas encore déterminé, c'est la politique tarifaire vis-à-vis du bouton connecté parce qu'il a un coût. Ouais. Et donc ça, on va d'abord le tester comme on fait en général sur un département avec des vrais facteurs et des vrais clients. Et une fois qu'on verra quel est le bénéfice pour les différentes cibles, parce que les pros n'ont pas le même usage que les particuliers, les entreprises non plus, on déterminera cette politique. Mais aujourd'hui, le fait de faire prendre son colis à domicile est le même prix, c'est l'affranchissement. Un mot aussi sur toutes les autres startups que vous accueillez ici. Oui. Vous en avez combien là? Alors on a on a la chance d'être une entreprise très territoriale. Donc on a des directeurs régionaux dans tous les territoires. Et donc on a travaillé avec finalement 5 grandes régions françaises. Oui. Chaque bureau est une cellule de veille en fait de l'ingéniosité de chaque région. Et puis on a toute une structure territoriale. Je veux dire aujourd'hui on a vraiment une structure adaptée aux régions. Oui. Et donc on a fait remonter 100 startups avec lesquels on travaille et qui posent toutes leurs offres sur le hub numérique. Et puis sur ces 100 startups, on a dit on en va en emmener une quinzaine à Las Vegas, qui sont dans tous les sujets. Hein. Il y a de la purification de l'air, il y a de la gestion de places de parking, il y a de l'énergie également. Et donc elles sont là, elles ont posé leurs offres sur le hub et elles travaillent avec nos partenaires, donc qui sont aujourd'hui Legrand, Malakoff, Médéric, Atoll, les opticiens et BNP Paribas Real Estate, donc qui fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Et tout le monde travaille, nous on croit beaucoup à l'écosystème qui fait travailler des grands groupes, un prestataire finalement de plateforme universelle comme La Poste et des startups, et c'est comme ça qu'on travaille avec eux, plus nos facteurs qui sont quand même... l'incarnation même, on peut dire, de la proximité. Et je trouve que c'est là qu'on est intéressé par les objets connectés. Les objets connectés, c'est le service et la proximité. Ça change tout dans le rapport au numérique. Mais vous avez 90 000 facteurs, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'ils vont tous adhérer à ça, aux tablettes, à l'électronique? Finalement, est-ce que vous ne vivez pas les mêmes problèmes que parfois l'enseignement, avec certains enseignants qui vont y aller à fond parce qu'ils trouvent ça génial, et d'autres qui vont freiner parce qu'ils vont se dire, c'est pas mon métier, c'est autre chose, etc. Alors, je ne peux pas parler pour les facteurs. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'ils ont extrêmement bien pris dans l'immense majorité Facteo, puisque Facteo est développé, que tous les facteurs en ont un et que ça fonctionne, et qu'ils sont même, il y a eu des formations de La Poste, ils sont même formés les uns les autres pour monter en compétence sur Facteo. Les facteurs à La Poste, d'abord, ils aiment La Poste et puis ils s'y voient comme ils vivent toute leur carrière. Et donc, ils ont besoin aussi qu'on leur apporte des nouveaux services. Et d'ailleurs, ce bouton connecté, quand il sera à l'intérieur du domicile, il sera porteur de tous les nouveaux services du facteur. Et donc, globalement, ils adhèrent plutôt. Vous trouverez toujours un facteur qui n'adhère pas sur 90 000. Mais c'est aussi une manière, j'imagine... C'est aussi une manière un peu de compenser une perte de trafic sur notamment les lettres, etc. C'est une manière d'utiliser ce qu'est La Poste, c'est-à-dire l'universalité, la neutralité, la pérennité, la proximité dans le numérique, au service finalement de la modernisation globalement de la vie quotidienne des gens. Stéphane Quéré, la bonne nouvelle, c'est que ce petit domino fonctionnera sous Sigfox dans certaines conditions. Voilà. Je suis très contente de mon domino. Bien jaune La Poste. Il y en aura plein dans les bâtiments Engie alors. Hein. Vous avez vu, il va falloir...
Écoutez, on reviendra l'an prochain pour dire qu'on en est à notre 250 millième domino chez La Poste. L'idée pour vous, c'est d'être là, de faire un grand coup de com' cette année ou d'être là l'année prochaine et dans les années qui viennent à Las Vegas? Alors d'abord, ce n'est pas un coup de com' pour nous parce qu'on vient avec des vrais partenaires. Oui. Des vrais services qui sont en train d'être sortis. Et on l'a montré puisqu'on a déjà équipé de 90 000 facteurs, nos facteurs, qu'on a déjà l'expédition en boîte aux lettres, donc ça existe. La Poste n'est pas tellement dans les coups de com', elle est plutôt dans la preuve. Et qu'on est venu avec 15 startups et puis 100 startups derrière qui ont posé leurs services sur le... On voit que vous travaillez votre image, que vous êtes en train de la changer. Star Wars pour les fêtes de fin d'année. Voilà, les colis qui ont été livrés le dimanche, juste avant les fêtes de fin d'année. Vous changez cette image. Mais notre image, elle est formidable parce qu'on doit être... Je pense que le facteur est le deuxième personnage préféré des Français. Donc notre image, elle est formidable. Il faut simplement qu'elle s'adapte au progrès. Et c'est pour nous une opportunité formidable que les objets connectés, parce que ça colle complètement avec La Poste, c'est apporter de la proximité avec du numérique au domicile des gens. C'est pareil pour vous d'ailleurs. Merci beaucoup. En même temps, votre slogan. Merci Nathalie. Merci à vous. Et merci de nous accueillir ici. Avec voilà. Plaisir. On a un vrai beau studio télé au top. Oui. Merci pour votre samedi. Hospitalité. Tiens, j'en profite pour saluer mon facteur que j'adore, qui s'appelle Jean-Marc. Et je sais qu'il nous regarde en plus. Tu connais le prénom de ton facteur? Bien sûr. Ah ben moi, je connais pas le prénom de mon facteur. C'est vrai en plus. Salut Jean-Marc. Bon, on salue tous les facteurs qui nous regardent. On essaiera, là, parce qu'on est là pendant 4 jours, d'en avoir un qui nous fasse un petit coucou sur ce plateau. Écoutez, avec plaisir, il y en a 6 qui sont venus. Ils seront demain rencontrés par le ministre Emmanuel Macron, qui est le parrain de leur promotion. Mmh. Donc ils seront tous sur le stand demain après-midi. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Merci Nathalie Collin. Voilà, comme on est en direct, Stéphane, on va retrouver notre invité Ubiante. Je ne sais pas où il est. Il est là. Eh bien voilà. Bonjour, il est arrivé. Regardez. Il suffit que tu te retournes. Il suffit que je me retourne et il arrive. C'est magnifique. Bonjour. Donc, Emmanuel Olivier, vous êtes avec un petit appareil étonnant. Regardez, il est là. Hop. Ça s'appelle le Lumignon. Le Lumignon. Très joli. Qui a eu un CES Award. Ouais. Et en plus, avec le CES Awards, vous avez donc reçu une récompense pour ce produit Ubiante. Bon, alors il faut que vous nous disiez. Oui, parce que là, on dirait une antenne Wi-Fi. Exactement. Un peu. Mais c'est pas ça. Ah, ça peut, pourquoi pas, tiens, c'est une idée. Non, le Lumignon, c'est la partie émergée de l'iceberg, en fait, puisque Ubiante, on a une solution d'efficacité énergétique qui équilibre en temps réel le confort et les économies d'énergie. Et ça, en fait, c'est un afficheur qui permet à l'utilisateur de voir en temps réel sa consommation dans les bâtiments. Si imaginez, vous êtes dans une voiture, il ne faut pas vous faire flasher par les radars et on ne vous donne pas de compteur de vitesse. Ce serait gênant. C'est un peu vous compliqué. Vous ne devez pas tomber en panne d'essence. Oui, il faut mettre le doigt levé dehors comme ça pour voir. Ce soit facile. Voilà. Donc, ouais. Vous êtes sûr de tomber dedans. Ben, bienvenue dans les bâtiments. C'est comme ça aujourd'hui puisque les gens ne savent pas ce qui se passe. Si on veut C'est d'ailleurs un truc de fou. Qu'on ne sache pas combien on consomme d'électricité en temps réel, c'est dingue. Alors heureusement, il y a les smart meters qui arrivent. Ouais. Alors comme les smart meters... Et puis il y a l'IKI qui va nous sauver la vie. Il y a le IKI, compteur Gaspard, connecté. Gaspard aussi qui arrive. Gaspard, oui. Et tu donc connais Gaspard, Jérôme? Oui, c'est le compteur connecté pour le gaz. Voilà, c'est ça. Et oui. Mm-hmm. Et donc, au-delà de cette information nécessaire, en fait, ça fait beaucoup plus que simplement informer. Puisqu'en fait, ça gère aussi tous les appareils connectés de la maison. Alors, expliquez-nous les couleurs, comment ça marche, comment ça s'installe, etc. Déjà, c'est compliqué à installer. On peut l'installer dans toutes les maisons? Vous le branchez, ça fonctionne. Nous, on est pour le plug and play. Mais il faut mettre quelque chose quand même sur le compteur, non? Oui, bien sûr. Alors, soit une petite pince ampérométrique quand on a un vieux compteur, soit un petit truc. Mais comme les smart meters arrivent, il y aura ce qu'on appelle... Vous mentionnez le Linky, il y aura un ERL, donc c'est un émetteur radio Linky, qui va se plugger. Tout le monde pourra le faire. Clic. On fait ça soi-même? Oui. Bien sûr, il y aura juste un cache en plastique, clac, ça y est, ça marche. Ah, sur le Linky, mais sur les compteurs actuels, comment je mets un... Alors, sur les compteurs actuels, c'est sur la petite bip ou la télé-relève. C'est pas très compliqué, c'est plus compliqué. Si vous le dites. C'est plus compliqué, on est d'accord. D'accord. Mais tout ça évolue, il faut penser l'avenir. Et bien sûr. Aujourd'hui, les smart meters vont être de plus en plus répandus sur la planète. Alors, on va prendre un exemple concret. Jérôme est chez lui, tranquillement. C'est vert, donc tout va bien. C'est bleu. C'est bleu ou vert quand on ne consomme pas beaucoup avec C'est votre bleu Lumignon. Quand c'est parfait et c'est vert quand c'est bien. Voilà, alors voilà. C'est bleu, c'est vert. Parfait. Et puis d'un coup, Jérôme se fait un shampoing et met en route son sèche-cheveux. Et là, évidemment, il y a une surconsommation électrique. Moi, ça m'arrive rarement. Je dois quand même vous l'avouer. Ou le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux. Donc là, d'un coup,
on va savoir dans la maison qu'il y a une surconsommation électrique parce que l'appareil va changer de couleur. Voilà, là je sais pas si on les voit, il y a des petits points qui apparaissent de temps en temps. Oui, on les voit derrière, je sais pas. Les petits points, c'est une jauge. On a un retour, je sais pas si ça se voit bien véritablement. C'est un peu surexposé. Ouais. Mais bon, pour nous, on a des petits points qui sont le temps réel. Et la jauge, c'est plutôt le moyen terme. Ça ne change pas tous les 3 minutes parce que vous avez allumé votre aspirateur. Évidemment, ça vous l'indiquera sur une jauge progressivement. D'accord, c'est du semi-temps réel C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... La jauge, elle est en réel. La jauge est en réel. Mais les couleurs... par contre, ça ne sert à rien de le faire varier de couleur tous les 3 minutes. Non, on va devenir fou. Voilà, ce que vous voulez voir, c'est des tendances à long terme. Alors, on n'allumera même plus le four après. Avec votre appli, vous paramétrez ce que vous voulez voir. Oui. Et donc l'idée fondamentale, c'est d'abord d'informer pour la sobriété. Voilà, les voitures hybrides, si on reprend l'exemple des voitures, vous économisez 50% d'énergie quand vous faites attention, à peine 15% quand vous ne faites pas attention. Ça sera pareil dans les maisons. Ça sort quand et à quel prix? Ça sort fin de l'année. Le pack qui comprendra le Lumignon, une petite passerelle et le RL sera entre 150 et 199. On n'a pas encore calé complètement le prix. Tout ça est en partenariat avec Engie, puisque au-delà de simplement de l'économie d'énergie... Bravo Stéphane, alors là franchement c'est services, un super truc. Il y a les services. Et une fois qu'on a fait rentrer des capteurs, on peut faire une multiplicité de services. Et là on a fait un partenariat avec MyVertuose, qui est une plateforme de services du bâtiment, et sur lequel cette solution va être interfacée. Et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Emmanuel, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce produit. Franchement, alors tu vois, moi j'ai vraiment très envie de le tester et de voir comment ça fonctionne. C'est une très bonne idée. Voilà. On va enfin savoir ce qu'on consomme. Et puis on pourra même faire la course entre chez François, chez moi. Exactement. Et puis il y a un côté ludique aussi. On peut s'amuser en famille. Ça va bien nous culpabiliser. Et voilà. Ça risque de bien nous culpabiliser. On peut imaginer une baisse de la facture de combien, Stéphane, avec ce genre de système? Vous avez une idée ou pas? On va voir ce que ça donne. On sait que... nous qui gérons pas mal de bâtiments, de bureaux, que le comportement des habitants est un facteur absolument clé qui peut faire varier la facture jusqu'à plus de 20% ou moins 20%. Donc on pense qu'avec ce système qui non seulement permet de connecter un certain nombre d'objets, mais aussi d'avertir les occupants qu'il y a un souci, on peut avoir des gains substantiels d'énergie pour nos clients. 20% c'est jouable, ça pourrait être jouable 20%. On va voir. Attendez, si vous payez 1 500 euros d'électricité, enfin voilà, c'est intéressant. C'est quand même pas mal. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir reçus. Et on va rester dans la maison, Jérôme, maintenant, avec notre dernier invité et Benoît Coquart qui va nous rejoindre. On est en direct, les amis. C'est pas grave, vous pouvez partir comme ça. Et Benoît nous rejoint, Benoît Coquart qui est le directeur général France. De Legrand, exactement. Legrand qui est présent ici aussi. Legrand qui est présent pour la deuxième année consécutive. Donc on est. Alors Legrand, c'est. Alors oui, il faut rappeler un petit peu donc Legrand spécialiste de l'électricité et de tous les équipements électriques. Ça va à quoi? De la prise électrique jusqu'à. À l'interrupteur, enfin il y a plein de choses. Prise électrique, interrupteur. On a 80 familles de produits. Donc les plus connus, c'est évidemment prise interrupteur, mais on a également un assemblage. En général, on voit marquer ça sur, dans toutes les maisons. Les interrupteurs. On est probablement l'un des produits que vous touchez. Le plus fréquemment dans une journée, que ce soit chez vous ou au bureau. Mais au-delà de ces produits très connus comme les interrupteurs, on a des produits peut-être plus techniques, des gros disjoncteurs, de l'éclairage de sécurité, des transformateurs, etc. etc. Et on est un groupe. Et vous êtes dans combien de pays? On est présent physiquement avec nos propres bureaux dans plus de 80 pays et on fait des ventes dans à peu près 160 pays. On fait 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une vraie boîte française, enfin voilà. Et c'est une société française implantée à Limoges, l'une des rares sociétés du CAC 40 qui a son siège social en province. Et on est très fiers. Donc vous vivez à Limoges? Je vis personnellement à Limoges. Je suis fréquemment en déplacement. Côté avion, Limoges-Las Vegas, ça ne va pas être évident. Enfin la partie la plus compliquée, c'est plutôt... C'est vols, dès que c'est au-delà du périphérique, si vous voulez. Au sein des États-Unis. C'est un univers un peu inconnu. C'est un peu compliqué, voilà, c'est ça. On a l'habitude chez Legrand, comme on est présent dans beaucoup de pays, de voyager au quotidien. Votre métier évolue aussi. Tout à fait. Voilà, avec aujourd'hui les objets connectés, le très haut débit, etc. Comment un constructeur comme Legrand s'accapare tout ça, toutes ces innovations en fait? Alors nous on a lancé l'année dernière un programme qui s'appelle Elliott. Alors c'est nos communicants qui ont trouvé le terme. On leur avait demandé de trouver un terme qui soit pas trop techno et plutôt humain. Donc ils ont trouvé ce petit jeu de mots entre électricité et IoT. Elliott est un prénom plutôt sympathique. Parce qu'on voulait convaincre les gens que les produits connectés, y compris dans le bâtiment, ça pouvait être facile d'usage, simple à poser, simple à installer, simple à utiliser, etc.
Et dans ce programme, on a en fait pour objectif de connecter de plus en plus de familles de produits. Alors, on allait vous dire, c'est quand même bizarre, à quoi ça sert un interrupteur connecté ? Ou à quoi ça sert un porté connecté ? Ben, ça sert à beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple. Nous, on ne trouve pas ça bizarre. Hein. Oui, mais peut-être que certains de vos auditeurs le trouvent. Sans doute. On va prendre un exemple très simple, le portier. Alors le portier, c'est vous êtes chez vous, quelqu'un sonne, vous avez un poste intérieur, vous voyez qui arrive, vous ouvrez le portail, ou vous ouvrez pas si jamais c'est quelqu'un que vous ne voulez pas voir chez vous, et la personne rentre. Ça, c'est un produit qui est au catalogue Legrand depuis des années. Ce qui est beaucoup plus sympa, c'est la personne sonne à l'extérieur et vous êtes à 800 km de là, parce que vous êtes par exemple dans votre maison de campagne, et vous avez sur votre smartphone... la personne l'image qui apparaît, la personne l'image, qui... le son. L'image de l'interphone, en fait. L'image de l'interphone, exactement. Et vous avez la même capacité à allumer la lumière ou ouvrir la gâche de votre maison. On le voit là, d'ailleurs. Hein. C'est, ça va être donc ça, c'est, un peu comme ça. C'est des choses extrêmement intéressantes parce que ça apporte un vrai bénéfice à l'utilisateur. Et ça l'apporte de façon simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un forfait GSM supplémentaire. Mmh. Vous n'avez pas besoin d'avoir du câblage très compliqué supplémentaire. Donc le facteur sonne. Moi, mon téléphone réagit. Voilà, vous ouvrez, il rentre, il dépose le colis, il repart, par exemple. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour un usage pour un particulier, comme vous et moi. Et ça, c'est plutôt pour les maisons individuelles, ça, non c'est individuel ou collectif, mais en tout cas, pour le particulier qui vit dans sa maison. Bon, mais on a également une conviction, c'est que l'IoT, ça va également irriguer tout ce qui est usage professionnel. Il y a un chiffre qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup, qui est que 60% des produits connectés sont à usage professionnel, sont du B2B, mm-hmm. et pas du B2C. Et en B2B, le bénéfice qu'apporte un produit connecté est aussi fort. Alors, je vais prendre un deuxième exemple, ce qu'on appelle les blocs d'éclairage de sécurité. Et c'est les blocs verts que vous avez en France. Alors, ils sont plutôt rouges aux États-Unis, mais ils sont verts en France. Et qui permettent de guider les gens vers la sortie si jamais il y a un feu. C'est une obligation réglementaire d'avoir un bloc. Bon, et vous avez, dans beaucoup de bâtiments, des parcs de 20, 30, 40, 50 blocs. Qui sont aujourd'hui pas connectés. Alors, c'est quoi le problème d'un bloc pas connecté ? C'est la maintenance. C'est-à-dire que vous devez avoir un service maintenance qui va passer bloc par bloc et vérifier, pour vérifier la batterie, la LED, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle marche pas. Donc c'est une plaie sans nom. Avec un bloc connecté, vous faites la même chose, mais sur votre iPad, vous avez un état en temps réel du bloc. De toutes les, de tous les blocs. Les blocs et vous savez que le bloc 18, il faut changer la batterie et que le bloc 27, il faut changer la LED. Mais donc c'est connecté. C'est connecté. Alors ça existait déjà dans les grands bâtiments tertiaires. Ouais. Avec des technologies un peu anciennes, mais économiquement, ce n'était pas viable pour les petits bâtiments, justement les petits parcs de 20, 30, 40 blocs. Avec un bloc connecté, ça devient économiquement intéressant d'avoir le même bénéfice pour un petit magasin, une école, voilà. Donc là aussi, c'est un bénéfice tangible, évident, d'avoir un produit connecté. Et Benoît Coquart, concernant, voilà, on va dire le grand public, quelles sont les innovations que vous pouvez apporter ? Vous nous avez parlé du portier connecté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait arriver ? On a un programme, on a dit qu'on avait... 20 familles de produits qui étaient aujourd'hui connectées et qu'on voulait passer à 40. Donc on va doubler le nombre de familles connectées. Et si vous voulez mon sentiment, je pense même qu'on va aller au-delà de ce chiffre-là. Alors, l'objectif qu'on s'est fixé en interne, c'est de 20 à 40. Donc on a un programme sur 2016, 2017, 2018 de lancement régulier de produits. Alors le portier et le bloc d'éclairage de sécurité dont on a parlé, ça arrive cette année, en milieu d'année. D'ores et déjà, on a un produit qui s'appelle My Home Play qui permet de façon très simple de faire des scénarios d'éclairage et de volets roulants. On va avoir le carillon connecté. Donc je sonne, ça prend une photo du visiteur, ça l'envoie sur mon smartphone. On a une idée des prix de tous ces produits ? Alors les prix, et du surcoût que ça peut représenter par rapport à un produit traditionnel ? Toujours un petit peu plus cher que le produit standard. Ouais. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas choqué qu'un smartphone, je vois que vous en avez un très beau sous les yeux, qu'un smartphone coûte un petit peu plus cher que le téléphone à la papa, où il n'y avait pas d'image, pas d'écran, etc. Mais je me sers plus souvent de mon smartphone que de mon interphone. Voilà, interphone. Peut-être que de votre interrupteur, je ne suis pas sûr. Mais, donc oui, il y a un surcoût, ça dépend de la famille de produits, ça dépend de la technologie qu'on y incorpore, des protocoles qu'on y met. Le portier qu'on peut interroger à distance, par exemple. Les produits type portier, bloc, etc., on est sur des prix qui vont être 20, 30, 40% plus cher qu'un portier traditionnel. Et ça se connecte au Wi-Fi à la box de la maison. Ça se connecte Wi-Fi à la box de la maison. C'est l'intérêt. C'est-à-dire que vous n'avez pas de câblage nouveau. Vous n'avez pas besoin de tirer des câbles pour faire passer de l'IP. Vous n'avez pas besoin de forfait GSM supplémentaire. Ça se connecte directement à la box. Encore faut-il qu'on capte la box de la maison. Si par exemple on est une maison individuelle et que le portier, par exemple, est sur la rue ou des choses comme ça, non ? Ça marche ? J'imagine que vous avez des tests Il n'y a pas de peut-être même que problème. Le CPL peut avoir un sens, non ? Peut-être que le CPL peut avoir un sens, mais il n'y a pas de problème technique fort dans les bâtiments. Vous maîtrisez tout ça, en fait. C'est des choses qui sont bien connues et bien maîtrisées. Parfait. Merci Benoît Coquart.
Merci à vous, bonne suite de CES, messieurs. Merci, vous aussi. Merci, merci d'avoir répondu à nos questions. Et donc, le bâtiment connecté est en marche. Merci beaucoup. Merci. Bon, Jérôme. Voilà, François. Ça fait une heure qu'on est ensemble, les amis. Et c'était un plaisir. Et c'est un vrai plaisir. Et c'est pas terminé, parce que, en fait, ce CES de Las Vegas, vous le suivez pratiquement minute par minute sur 01net.com, sur 01net TV, avec des reportages qu'on vous... livre entre guillemets régulièrement tout au long de la journée. Et puis on se retrouve demain, Jérôme. On sera là demain entre 20h et 21h. À la même heure, et effectivement, pour un nouveau live d'une heure pour débriefer ce CES 2015, ce sera comme ça jusqu'à samedi. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors juste une chose, demain, invité exceptionnel, hein, Jérôme. Nous Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui est une véritable star du gouvernement aujourd'hui. On peut dire, surtout ici à Las Vegas, on parle beaucoup de lui, c'est vrai, dans les allées, notamment là où il y a toutes les start-up françaises. Emmanuel Macron répondra à nos questions et puis voilà, on évoquera tous les sujets liés à l'électronique grand public de ce CES. Avec plein d'autres invités. Portez-vous bien, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. Il faut les remercier à Florian Beaufreton et Jean-David Duarte qui font un boulot super ici à Las Vegas et qui nous ont permis de réaliser ce live. Voilà, on remercie aussi La Poste de nous avoir si gentiment accueillis. On sera là demain d'ailleurs sur le stand de La Poste. Portez-vous bien, à demain. Salut à tous, bonne soirée.